ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Thibault Camara, venez à la barre, s'il vous plaît. M. Camara, la loi fixant les règles de protection des témoins vous accorde beaucoup de droits, allant ou notamment de demander à ce que vous soyez entendu hors la présence du public. À moins que vous ne voulez qu'on nous entende en audience publique. Monsieur le Président, avec votre permission, ça ne me gêne pas d'être entendu en audience publique. Je n'ai pas compris. Ça ne me gêne pas d'être entendu en audience publique. Votre nom, s'il vous plaît. Thibault Camara. Vous avez quel âge? Je suis né le 4 novembre 1973. Où? À Dinguiray. Quelle est votre profession? Journaliste. Où vous êtes domicilié? À Kipi, dans la commune de Ratoma. Je ne vais pas vous citer tous les accusés qui sont présents dans la salle, en estimant que vous les connaissez déjà. Vous avez entendu leur nom lorsqu'on les appelait. Est-ce que vous avez... Bon, à part eux, il y a beaucoup de victimes aussi qui ont comparu à la barre de ce tribunal. Certainement, vous avez suivi les interventions de certaines. Donc, on va vous demander, est-ce que vous avez des liens de parenté avec ceux-ci? Je veux parler des accusés et des victimes. Non, Monsieur le Président, je n'ai aucun lien de parenté avec un accusé ou une victime. Est-ce que vous avez des liens de subordination? C'est-à-dire, est-ce que... J'ai compris. D'accord. S'ils vous ont employé ou bien si vous vous avez employé certains d'entre eux. Antérieur, oui, mais actuellement, non. Avec qui, par exemple, quand vous parlez d'antérieur? En tant que ministre, Monsieur le Président, on relève de l'autorité de celui qui vous a commis à la fonction, à savoir le chef de l'État. Présentement, est-ce que ces liens existent maintenant? Non, Monsieur le Président. Donc, on va vous prêter le serment du témoin. Dans cette affaire, vous allez jurer dans cette affaire sans haine et sans crainte de dire toute la vérité et rien que la vérité. Sur ce, vous lèverez votre main droite et direz je le jure. Je le jure. Alors dites au tribunal tout ce que vous savez dans cette affaire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorable assesseur, distingués membres du tribunal criminel, respectés avocats de la partie civile et de la défense, c'est pour moi personnellement une satisfaction morale personnelle et une grande fierté aussi, je dois le dire, d'être ici à cette barre, pour répondre à l'appel pressant, impérieux de la justice de mon pays. Je voudrais emboîter le pas à mes prédécesseurs pour saluer la mémoire de toutes les victimes. Dans leur siège aussi, exprimer ma profonde compassion et ma solidarité totale à l'endroit des familles et de leurs victimes.
La tenue de ce procès a été attendue très longtemps afin que la vérité soit dite dans ces événements malheureux de l'histoire récente de notre pays et aussi que justice soit rendue aux uns et aux autres. C'est un moment d'histoire, Monsieur le Président, que le pays vit à travers ce procès qui se tient sous nos yeux. Je voudrais rappeler, en guise d'introduction, un fait d'histoire qui permet de mieux situer le contexte historique de ce procès et d'appréhender davantage et de camper la primauté, la prééminence et la suprématie dans la justice, dans tout ce que nous pouvons faire dans notre vie. Cicéron, qui est une figure romaine, qui a connu une brillante formation en droit et en rhétorique, bien qu'issu d'une famille modeste, avait réussi à son époque à accéder à la magistrature suprême, le consulat. Il a réussi aussi à déjouer un complot dit de Catilina, notamment par le biais de son génie, de ses discours et de sa rhétorique. Dopé par ce succès, il a exécuté les conjurés et naturellement, ça lui a causé l'exil. Monsieur le Président, la moralité de cette histoire veut dire tout simplement, quels que soient les crimes qui pourraient être reprochés à quelqu'un, quelle que soit la faute qu'on a pu commise, on a droit à la justice. Cela veut dire également que seul le droit, lorsqu'il est dit, lorsque la loi est appliquée, que la paix sociale peut être obtenue. Autrement dit, seule la justice a le pouvoir de juger et condamner, seule la loi a la force et l'autorité de punir, Monsieur le Président. Je me réjouis donc que ce procès, à titre personnel, ait pu enfin avoir lieu et les familles, une fois que la justice sera établie et que la vérité sera connue sur cette tragédie horrible de l'histoire de notre pays, pourront tranquillement faire leur deuil et naturellement, peut-être, un processus de réconciliation comme chacun de nous le souhaite pour construire une nation unie et solidaire pourra être durablement entamée. Monsieur le Président, la justice, elle fait peur parce que dans l'opinion commune, selon les idées reçues, c'est généralement son caractère répressif, le sentiment que lorsqu'on comparaît devant elle, c'est nécessairement parce qu'on a quelque chose à se reprocher ou qu'on se sentirait coupable de quelque chose. On oublie le pendant de réparation de la justice, Monsieur le Président. Quand on est appelé devant la justice de son pays, puisqu'on ne peut pas faire le porte-à-porte pour s'expliquer des faits qu'on nous reproche souvent et des condamnations hâtives dans l'opinion, c'est l'opportunité ou jamais et l'occasion de s'expliquer de ces faits, laver son honneur, se laver de tout soupçon, contribuer à la manifestation de la vérité. Ce travail d'honneur, de vérité, de réhabilitation de la justice n'apparaît pas souvent dans l'opinion commune, ni dans les idées reçues. Je suis donc heureux d'être devant cette justice, Monsieur le Président, pour pouvoir apporter mon témoignage et contribuer ainsi à la manifestation de la vérité dans un événement qui hante encore les mémoires et les consciences dans notre pays et constitue un exercice de mémoire indispensable à faire le deuil dans cette page tragique de l'histoire de notre pays. Monsieur le Président, ici, devant votre juridiction et la justice en tant qu'institution en général, ce ne sont pas les déclamations, les préjugés, les procès publics, comme on en a l'habitude dans notre pays, les accusations rapides. Ici, devant vous, ce sont les faits, la vérité, l'exactitude, la certitude et l'application de la loi, suivant bien sûr
votre intime conviction. Je salue cette vocation de la justice et me félicite de cette mission qui vous incombe et qui, j'estime, est profitable à l'ensemble de la société. Nous sommes ici, Monsieur le Président, il ne faut pas se le cacher, par rapport à l'enjeu du pouvoir. Parce que derrière ce procès historique, en filigrane, il y a l'enjeu du pouvoir, la dispute pour l'exercice du pouvoir, la dispute pour la conservation du pouvoir. Car ceux qui étaient aux affaires, qu'on aidait à rester aux affaires, ont été opposés à ceux qui voulaient venir aux affaires et qui étaient soutenus par ceux qui croient en leur personne et partageaient leur idéal. C'est ce conflit entre deux camps, deux tendances, qui a dégénéré en un affrontement sanglant qui a coûté la vie à beaucoup de nos compatriotes. Puisqu'on parle du pouvoir, Monsieur le Président, l'exercice du pouvoir est complexe. Vous avez dû entendre parler souvent dans cette pratique difficile de faucon, de colombe. Les faucons, Monsieur le Président, pour résumer, c'est ceux qui croient à la fermeté de l'État, ceux qui croient à l'autorité comme moyen de préservation de l'ordre public, ceux qui croient en l'État Léviathan, l'État dont la violence doit s'exercer pour protéger la vie en commun, pour assurer aux institutions de la République leur force, leur intégrité et leur puissance. Et puis il y a les petites colombes qui pensent que cela n'est pas incompatible avec la doctrine de paix, la recherche effrénée et sans relâche du compromis et du dialogue. Au milieu de ces deux courants antagonistes, il y a un nom au milieu, au cœur de l'action publique, qu'on appelle le chef de l'État. Il consulte, il écoute, plusieurs sons de cloche, et à la fin, il lui est donné de prendre une décision, de faire un choix. Cette décision, qui est la sienne, qui l'engage personnellement et en tout premier lieu, peut être jugée bonne, pertinente, mauvaise. Le choix qu'il peut faire peut être juste ou justifié, mais dans tous les cas, à la fin, il lui faudra décider. Il lui faudra choisir un chemin. S'il le choisit, s'engage la responsabilité. S'il ne fait rien du tout, il peut être soupçonné de décidophobie, cette difficulté à ne pas pouvoir de prendre des décisions, cette incapacité à trancher pour faire avancer un processus lorsqu'on est au pouvoir. Monsieur le Président, en âme et conscience, j'ai décidé de venir témoigner. Le courage, c'est la recherche de la vérité et de pouvoir la dire. La vérité, rien que la vérité, toute la vérité, dire bêtement la vérité bête, dire hagneusement la vérité hagneuse, dire tristement la vérité triste. Ce n'est pas de moi, Monsieur le Président, c'est de Charles Péguy. Et la vérité ici pour moi, c'est de dire exactement ce que j'ai entendu et vécu personnellement, ce dont j'ai pu être témoin à titre personnel. Ce ne sont pas les oui-dire, ce ne sont pas les rumeurs, ce n'est pas ce que j'ai entendu ou qu'on m'a fait entendre, ce n'est pas ce qu'on m'a dit. C'est ce que moi-même, à titre personnel, j'ai vu, vécu et entendu sans équivoque, sans ambiguïté. Parce qu'il faut ici cultiver la religion des faits, coller aux événements avec exactitude et certitude. Je m'engage donc à dire la vérité en toute conscience, en toute responsabilité et avec le maximum de scrupules possible. Mon témoignage se fera en trois étapes. Le voyage de l'abbé, dont on a beaucoup parlé. Ensuite, le fameux appel du chef d'État d'alors, le capitaine Moussa Dadis Camara, à M. Sidya Touré. Et ensuite, le lendemain, ou le jour même des événements, le 28 septembre, la visite que j'ai rendue à sa demande au capitaine Moussa Dadis Camara au camp Alfaya Diallo. À propos du voyage de l'abbé, j'ai entendu beaucoup de versions. Moi, personnellement, à l'époque,
J'avais posé la question au capitaine Moussa Dadis Camara pour connaître la motivation exacte qui le poussait à se déplacer sur un territoire à l'époque jugé hostile et inhospitalier pour le président en fonction qu'il était. Je me rappelle de ce qu'il m'avait dit à l'époque, à savoir qu'il ne voulait pas donner le sentiment d'être président d'une partie de la Guinée et pas d'une autre. Il ne voulait pas donner l'image d'un président qui gouvernait une partie de la Guinée contre une autre. Et ensuite, en tant que soldat et serviteur de la République, il ne voulait pas donner le sentiment qu'il y a une partie du territoire qui lui est autorisé et une autre partie du territoire qui lui serait interdite. Il a donc eu le sentiment que ce déplacement aurait donné le message qu'il n'y avait pas de discrimination entre les différentes régions du pays et qu'il voulait être au-dessus de la mêlée et être le président de tous les Guinéens. Et le dernier argument, c'est que c'était une invitation des notabilités de l'abbé et donc il ne pourrait pas leur faire l'offense de ne pas répondre à leur invitation parce que chacun d'entre nous, ce que vaut le poids des traditions dans nos sociétés et le respect religieux dû aux aînés, notamment aux notables. Voilà les trois raisons qu'il m'a données pour motiver et expliquer le déplacement qu'il voulait faire à l'abbé. Effectivement, Monsieur le Président, nous avons été à l'abbé. Le voyage s'est passé dans de très bonnes conditions. La notabilité, la jeunesse, la population de l'abbé en général s'est fortement mobilisée à réserver un accueil chaleureux et enthousiaste dans la ferveur populaire au chef de l'État qui était reçu dans une des parties du pays. Et le meeting qui a eu lieu, sur lequel je ne reviendrai pas parce qu'il y a eu beaucoup d'explications qui sont conformes aux faits, qui a eu lieu au stade principal de l'abbé, s'est déroulé dans les meilleures conditions. Sur le retour, effectivement, nous avons fait un arrêt à la station de l'abbé. Le capitaine Moussa Dadis Camara, avec un groupe, était non loin de la pompe à essence. Et moi, j'étais un peu plus haut avec le général Sékouba Konaté et d'autres personnes qui faisaient partie de la délégation. C'est en cet endroit, Monsieur le Président, que je me suis entretenu avec le général Sékouba Konaté à propos de la manifestation de l'opposition qui était projetée. Je lui ai expliqué que, personnellement, je souhaitais que lui et moi nous en parlions pour qu'à son tour, il en parle au capitaine Moussa Dadis Camara, parce que les prémices d'une confrontation se dessinaient avec la détermination farouche de l'opposition des forces vives, on dira à cette époque, d'organiser vaille que vaille la manifestation et le souci des autorités que la manifestation ne vienne pas troubler l'ordre public et surtout ne coïncide pas avec une date jugée historique et donc appartenant à l'ensemble des Guinéens. Monsieur le Président, il y a tout ici la problématique des manifestations dans notre pays. Vous avez d'un côté le souci des citoyens, des organisateurs de ces manifestations, d'exercer des libertés et des droits qui sont reconnus par nos lois et par nos textes. Et de l'autre côté, vous avez un État, quel qu'il soit, qui a le souci que, bien que ce droit soit reconnu, cette liberté soit consacrée, que cela puisse s'exercer dans l'encadrement de la loi, dans le respect des libertés des autres, bref, de manière à ce que l'ordre public ne soit pas troublé, ses droits et ses libertés peuvent s'exercer pleinement. J'expliquais au général Sékouba que les deux préoccupations n'étaient pas tant que ça inconciliables. Nous aurions pu et nous devons parler avec les organisateurs pour engager leurs responsabilités par rapport à l'organisation de la manifestation, pouvoir trouver un accord avec eux de manière à ce que nous n'allions pas à la confrontation
ne tombions pas dans une épreuve de force à l'issue incertaine, parce que personne ne peut dire comment on peut finir une épreuve de force. Personne ne peut imaginer dans l'incompréhension et dans la confrontation ce qu'il pourrait en advenir, comme on en a eu l'amère, la triste et dramatique expérience avec les événements du 28 septembre 2009. Le juge Sékouba Konaté était convaincu par l'argumentaire, mais il m'a répondu que, lui n'étant pas politique, c'est une réponse qu'il me réservait souvent lorsque nous discutions des sujets à caractère politique. Il m'a dit, je suis d'accord avec toi, mais comme le capitaine n'est pas très loin, je vais lui demander d'en discuter avec toi, et tout ce sur quoi vous serez d'accord, moi je suis d'accord. C'est vous les politiques, c'est vous qui connaissez l'État. Allez discuter de ça entre vous. Bien que moi, personnellement, je suis convaincu que c'est la bonne démarche et je suis prêt à t'appuyer auprès du capitaine pour faire passer ce message de conciliation, de réconciliation de positions tranchées et extrêmement opposées. Je suis allé voir le capitaine Moussa Dadis Camara, effectivement. Je dois dire qu'il a prêté une oreille attentive. Mais il était un peu sceptique, parce qu'il ne voyait pas de raison de manifester. Il ne voyait pas de motif de mécontentement des forces vives. À l'époque, il faut rappeler le contexte, qui était de très bons partenaires avec lui, individuellement et collectivement, parce qu'il discutait avec eux au téléphone, les recevait dans son bureau, ils avaient une habitude de discussion et une culture de partenariat. Donc, ils étaient étonnés des raisons de descendre dans la rue, qui était l'expression d'un malaise, d'une distanciation, d'un des rapports que lui, à l'époque, jugeait cordiaux et excellents. La deuxième chose, il disait qu'il parlait avec la plupart d'entre eux, mais que personne ne lui a fait part d'une raison de manifester. Pour ainsi dire, il était sceptique et dubitatif. Et comme un chef d'État est toujours mieux informé que tout le monde, je suppose, lorsque vous partagez un avis, une information que vous recevez avec lui, peut-être qu'il a d'autres éléments que vous n'avez pas, qui fonde son jugement et sa conviction. Donc je n'ai pas insisté outre mesure parce que je n'ai pas senti une inquiétude particulière chez le président liée à la confiance absolue qu'il avait dans ses relations avec les forces vives et qui pour lui était un rempart contre toute bataille rangée entre eux et lui. Nous sommes rentrés à Conakry tranquillement. La consigne qui avait été donné implicite, c'est qu'à partir du moment où nous rentrions tous de voyage exténués, harassés, épuisés, parce que nous avions fait la route à un pas de charge, c'était un voyage court et intense, donc la consigne presque qui a été donnée, c'est de rester à la maison et de profiter du moment. Je donne cette précision parce que habituellement, le travail se fait la nuit, ça tout le monde le sait. Pour ceux qui pratiquaient le camp Al-Fayaya à l'époque et qui étaient aux alentours du couvent, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, ceux qui se rendaient au camp ou qui étaient témoins de ce qui se passait au camp. Le jour commençait la nuit et la nuit finissait le jour. C'était ainsi le rythme de travail que le président s'était imposé et en tant que leader, chacun suivait naturellement son rythme de travail et s'adaptait à son agenda personnel. Donc j'étais à la maison, dans mon lit, quand j'ai reçu l'appel du capitaine, me demandant si c'était possible que je vienne le voir au camp. C'était très courtois et poli de sa part, me demander si j'étais disponible pour aller le rencontrer, lui qui était le chef de l'État. À peine j'avais rapproché le téléphone que j'étais déjà en route pour arriver au camp. Parce que c'était une invitation dans son esprit, mais dans l'esprit du collaborateur que j'étais, rapport de subordination pour reprendre vos termes, il fallait que je me rende au camp. Je suis donc arrivé au camp Al-Fayaya. L'ambiance était un peu morne,
Parce que habituellement, comme je vous ai dit, c'est dans les soirées que le travail se fait. Et donc, il y avait de l'affluence, il y avait du monde. Vous savez, le pouvoir attire beaucoup de monde venant de tous les horizons. Et le camp Faya ressemblait pratiquement à cette époque à une grande agglomération, tant il y avait beaucoup de monde. Mais puisque on rentrait tous de voyage, parce que la plupart d'entre nous avaient effectué le déplacement de l'abbé, il n'y avait pas grand monde. Donc je n'ai pas eu du mal, ni mis du temps, à traverser le salon qui mène à gauche à son bureau et à droite dans ses appartements. Lorsque j'ai pénétré dans ses appartements, le capitaine n'avait même pas de béret, était extrêmement fatigué. C'est comme s'il sortait à peine du lit, compte tenu sans doute des informations qu'il avait reçues par rapport aux préparatifs de la manifestation. Je ne saurais le dire. De toutes les façons, il n'était pas en tenue de travail et n'était pas derrière son bureau. Donc, il s'est rappelé de la discussion qu'on avait eue à l'abbé et de ce que j'avais fait comme observation, et ça l'a intéressé que nous refassions la discussion. Nous avons refait la discussion et à la fin, il était d'accord d'appeler les organisateurs de la manifestation pour trouver un accord avec eux sur les conditions et les modalités de l'organisation de leur manifestation. C'est à sa demande, ce n'est pas moi qui en ai pris l'initiative, c'est à sa demande que j'ai appelé l'ancien Premier ministre et président de l'UFR, M. Sidya Touré. Et je précise à ce stade que ce n'était pas la première fois que j'appelais quelqu'un pour le président Moussa Dadis. Pour ceux qui l'ont connu, rarement lui-même utilisait son téléphone. Son téléphone était pratiquement tout le temps fermé. Il ne l'ouvrait que lorsqu'il le voulait, lorsqu'il s'agissait d'appeler un proche ou une tierce personne de son choix. Sinon, la plupart du temps, c'est par le téléphone de ses collaborateurs que nous parvenions à entrer en communication avec lui. Ce n'était vraiment pas un homme qui était porté sur le téléphone. Donc, j'ai appelé le président de l'UFR et je lui ai dit, ne quittez pas, je vous passe le président. Donc, le capitaine a commencé la conversation par les civilités habituelles et ensuite, il lui a dit qu'il était d'accord que la manifestation ait lieu, mais qu'il avait deux points sur lesquels il voulait discuter avec lui. Le premier point, la date du 28 septembre. Il a estimé qu'à partir du moment où que c'est une date historique qui est réservée à la mémoire des Guinéens comme étant une fête qui a permis de recouvrer la fierté ou de célébrer la fierté recouvrée, qu'il souhaitait que l'on épargne à cette date des conflits liés à des protestations, liés à des manifestations, et que, après le 28 septembre, n'importe quelle autre date du choix des organisateurs était agréée par lui pour faire leur manifestation. La deuxième chose qu'il a demandé, c'est de délocaliser la manifestation du 28 septembre vers le stade de Nongor. Si mes souvenirs sont bons, c'est parce qu'à cette époque-là, le stade du 28 septembre était en rénovation ou en tout cas accueillait des travaux en prélude à un match international qui devrait s'y dérouler. Dans tous les cas, il a souhaité que la manifestation n'ait pas lieu au stade du 28 septembre parce que ce n'était pas approprié pour la circonstance. Je saurai après que M. Sidya Touré a expliqué que l'heure était un peu tardive et qu'il aurait été difficile à une heure aussi tardive de la nuit de pouvoir discuter avec les co-organisateurs de la manifestation et les convaincre du report parce qu'on n'était plus à quelques heures de la tenue
de leur manifestation. Et la deuxième chose, il a voulu rassurer le capitaine Dadis que la manifestation sera pacifique et que de toute façon, ce qu'ils ont prévu dans leur programme, c'est de venir rencontrer les militants, prononcer un discours de circonstance et après repartir à leur domicile. Le capitaine a demandé encore de reporter à une autre date, à une date ultérieure, et de bien vouloir aller organiser la manifestation au stade de Nongo. Et puis, l'appel a été interrompu. Le capitaine m'a remis le téléphone pour rappeler encore M. Sidya Touré. Je l'ai rappelé. Ils ont refait la même conversation, dans les mêmes termes, face au même blocage. Et ensuite, le téléphone, une nouvelle fois, ne passait plus. Et quand le capitaine m'a redonné pour rappeler une seconde fois, M. Sidya Touré, le téléphone ne passait plus, bien sûr, parce qu'il était éteint. Donc, je n'ai pas voulu dire cela au capitaine, pour ne pas l'énerver, pour ne pas créer un conflit avec M. Sidya Touré. Je lui ai simplement dit que le téléphone ne passe plus et qu'on va essayer d'appeler les autres organisateurs la manifestation. On a essayé avec Selou, avec d'autres, mais coïncidence, aucun des téléphones ne passait. Et donc finalement, puisqu'on n'arrivait plus à joindre personne, à commencer par le premier interlocuteur, moi j'ai vu le président Dadis un peu déçu de n'avoir pas trouvé un accord, mais il y avait encore de l'espoir parce que je rappelle que malgré cette tentative qui n'avait pas abouti, le lendemain, il était question que les chefs religieux prennent la relève pour continuer les discussions avec les forces vives de manière à parvenir à un consensus. C'est dans ce cadre et dans cet esprit, dans cette optique, que les chefs religieux, vous rappellerez, se sont rendus très tôt dans la matinée du 28 septembre pour rencontrer Jean-Marie Doré et d'autres leaders à son domicile. La rencontre a bel et bien eu lieu, mais je ne peux dire ce qu'il en a résulté, puisque je n'étais pas présent et témoin de la scène, mais je connais l'esprit qui a prévalu à la rencontre entre ces leaders et les chefs religieux, c'était de continuer le processus de discussion, de négociation, de médiation entamé la veille et qui, le 27 septembre, était inachevé. La discussion du 27 septembre est une symphonie inachevée parce qu'on n'a pas pu aller au bout de la discussion avec M. Sidya Touré et on n'a pas trouvé l'accord que nous avons souhaité avec les forces vives par rapport à l'organisation, la manifestation qu'ils avaient projetée. Voilà pour ce qui est de l'appel intervenu entre le capitaine Moussa Dadis Camara et M. Sidya Touré. Je suis rentré chez moi dans la nuit du 27, juste après l'appel du capitaine Dadis à Sidya Touré. Et comme je rentrais de voyage, j'étais fatigué, on avait accumulé de la fatigue, parce que comme je l'ai dit, le travail se faisait de nuit, et au bout d'un certain temps, la nature humaine ayant des limites, j'étais vraiment fatigué. Donc, je dormais dans la journée du 28 septembre, lorsque un de mes oncles, qui a ses bureaux en ville, est venu à mon domicile, pour demander de me réveiller parce que des choses graves se passeraient en ville. Donc on m'a réveillé et il m'a expliqué qu'il avait l'intention d'aller à son bureau, mais malheureusement qu'il n'a pas eu accès à la ville parce que les premiers incidents dans la manifestation des forces vives ont été enregistrés et que la tournure était assez grave et que lui personnellement, il avait des craintes d'une déflagration, tant les tensions étaient vives.
Évidemment, à partir de ce moment, moi-même, à partir de mon domicile, puisque déjà il y avait les radios libres et les appels aussi d'amis, de proches, donc j'ai pu suivre à partir de la maison l'évolution de la situation jusqu'à la tragédie qui a suivi par la suite. Je suis resté à la maison. À la fin de la journée, le capitaine Dadis m'a appelé pour me demander si c'était possible que je vienne au camp. Je lui ai dit que cette fois, j'ai bien le désir d'aller au camp, mais qu'il n'y a pas de circulation. La circulation est coupée, on ne peut pas prendre le risque de sortir dans un moment où il y avait de fortes tensions, surtout que moi, mon domicile est à Kipé, et c'est dans cette partie de la ville qu'il y avait le plus d'incidents et aussi le plus de tensions. Je me rappelle qu'il m'avait envoyé chercher par Issa, qui était le gouverneur de Bamou, dans un véhicule avec d'autres agents pour que je puisse me retrouver au camp Al-Fayer. Lorsque je suis arrivé au camp Al-Fayer, j'ai trouvé le capitaine Dadis assis dans un couloir, les mains sur la tête. Donc, lorsque je suis rentré, il m'a vu comme ça et il s'est écrié: Thibou, tu as vu ce qu'on m'a fait? Est-ce que tu as vu ce qu'on m'a fait? J'étais un peu surpris parce que c'était une des rares fois, pour ne pas dire la seule fois, où je l'ai vu vraiment dans une position de faiblesse. Moi, j'étais habitué à l'homme d'autorité, à l'homme de pouvoir, sûr de lui, en toute confiance, dans toutes les situations. Mais là, celui que j'ai vu était littéralement dévasté. Et naturellement, je n'avais pas de mots, surtout qu'entre-temps, il a continué dans son bureau, puisque le couloir est non loin de son bureau. Et lorsqu'il est entré dans son bureau, comme toujours, il y avait d'autres collaborateurs qui étaient assis, nombreux dans le bureau, parce que au camp Al-Fayaya, pendant la période de la présence du capitaine Moussa Dadis, les discussions étaient ouvertes. Son bureau ne désemplissait jamais. Des visiteurs, des collaborateurs, tous venaient là, devant lui, discutaient librement, sans tabou, sans censure. Chacun avait la latitude de poser le problème qu'il voulait, de débattre du sujet qu'il souhaite. Il prêtait une oreille attentive. Et lorsque lui-même voulait un avis, distribuait la parole. Donc, je n'étais pas dépaysé de voir qu'il y avait du monde dans son bureau, comme d'habitude. Et je crois que c'était ceux qui étaient déployés sur le terrain, ou en tout cas qui appartenaient au service de sécurité, parce que les premières explications étaient en train d'être données sur le déroulement et le fil de la journée. Et ce que j'ai entendu, la plupart disaient au capitaine que les victimes l'ont été par bousculade, que la plupart de ceux qui sont tombés par bousculade. Lorsque j'ai entendu cela, j'ai dit spontanément, peut-être imprudemment, que non, monsieur le président, il y a d'autres aussi qu'on dit avoir été tués par balle. Il a sursauté de son fauteuil. Par balle? Mais on m'a dit que c'est par bousculade. J'ai dit non, je n'étais pas présent. Je ne suis pas témoin, mais c'est une piste à explorer, compte tenu de l'ampleur du drame. Et ensuite, il a expliqué qu'il se préparait à autoriser l'évacuation de ces loups à l'étranger pour ses soins, parce qu'il a discuté de cette question avec son père, le président Ouad. Ce que j'ai trouvé était une très bonne décision, une mesure humaniste, et bien entendu, j'en étais content. Et donc, je me suis retiré de la salle, parce que comme je n'étais pas présent sur le terrain, je n'étais pas capable d'expliquer les péripéties
des événements, j'ai laissé ceux qui en avaient la compétence, la qualification et la connaissance le faire. Voilà, Monsieur le Président, ce que je peux dire à ce stade de ce que je sais de cette page, encore une fois de plus, sombre de l'histoire de notre pays et qui nous interpelle chacun, aussi bien pour contribuer à la manifestation de la vérité que dans l'effort de rendre justice aussi bien aux familles et aux victimes, mais aux accusés aussi, si tant est que parmi eux, il peut y avoir des innocents. Merci, Monsieur le Président. Vous avez assisté à l'appel entre M. Moussa Dadis Camara et M. Sidya Touré. Oui, Monsieur le Président. C'était à quelle heure? Moi, je ne saurais dire l'heure exacte, mais si je devrais dire approximativement, ça doit être probablement après minuit ou un peu avant. Après minuit ou un peu avant? Oui, parce que c'était un peu tard quand même. Ce qui est sûr, c'était tard. C'est un peu tard dans la nuit. Mais je n'ai pas regardé l'heure et je ne voudrais pas dire quelque chose qui ne soit pas précis, comme je me suis engagé dès le départ. Oui, vous avez dit que le 28 septembre, vous avez été appelé par M. Moussa Dadis Camara. Absolument. Pour rallier le camp. Absolument. C'était à quelle heure? Ça, c'est en fin de journée. Peut-être oui. Vers 18h, 19h à peu près. C'était 18... pas encore la nuit quand même, mais c'était à la fin de la journée. Vous avez dit 18h, 19h. Oui, c'est à la fin de la journée, ça je suis formé. Mais il ne faisait pas encore nuit, mais la journée était déjà terminée. Est-ce qu'en ce moment encore, il y a des choses qui se passaient au stade, ou bien c'était fini? Bon, moi j'étais vers Kipé, mais en allant vers le camp, comme je vous l'ai dit dès le départ, c'était difficile de sortir de la maison parce qu'il y avait encore des échauffourées et quelques violences dans le périmètre où moi j'habite, à savoir Kipé, et pour être plus précis, l'axe qui part du centre émetteur vers l'aéroport en passant par le carrefour de Bambédo. Quand vous êtes venu ce jour, vous avez dit que M. Moussa Dadis Camara vous a dit « Thibou, vous avez vu ce qu'on m'a fait ?» Oui. Ce qu'on m'a fait. Oui. Il voulait parler de qui? Non, franchement, c'est tout ce qu'il a dit. Et après, parce que en fait, il y a un couloir et juste après le couloir, vous avez le bureau. Donc il y avait une assise dans le couloir. Au moment où je venais, c'est là où je l'ai trouvé. Et après, là-bas, parce que apparemment, et ça je le saurai après. Oui, ce qu'on m'a fait, il veut parler de qui? Je saurais le ça, dire. Je veux savoir. Il n'a cité personne, il n'a avancé aucun nom précis. Pratiquement, il ne vous a rien dit de spécial. Non, Monsieur le Président, c'est juste cette histoire. Ça me ramène à vous demander pourquoi il vous a appelé ce jour pour venir. Pourquoi il vous a appelé? Moi-même. Par la suite, je me suis posé la question, parce qu'en dehors de ce qu'il a dit et de l'avoir suivi après dans son bureau, pour écouter certainement ce qui s'était passé dans la journée, nous n'avons pas eu d'échange. Donc j'ai dû rentrer après. Donc il ne vous a rien dit? Non. Mais il arrivait qu'il m'appelle, qu'il m'appelle et que par la suite, qu'il n'y ait rien de particulier. Ce n'était pas la première fois. Il m'appelait souvent. Mais ce jour était spécial. Oui, c'est vrai, Monsieur le Président. Mais il m'a rien dit. Après ces événements, il vous a appelé. Oui. Vous êtes venu. Mm-hmm. Et il ne vous a rien dit. Non, à part ce que je viens de relater.